Bonjour tout le monde, on se donne rendez-vous aujourd'hui pour pouvoir voir les news de la chaîne. Et pas n'importe quelle news, puisque ces news inaugurent donc la saison 2014 qui va donc de 2018 à 2019. Alors, que dire de ces news-là? Alors déjà, il n'y a pas trop de changements matériels, de caméra et tout, à part que en 2 ans, tout est en plus mauvais état. Je veux dire, la carte son de... pour filmer le micro, eh bien il s'est pété la gueule, enfin non il s'est pas pété la gueule, il s'est auto-détruit lui-même, c'est génial. Et ensuite quoi, là je vous jure, c'est pas de la rigolade, c'est vraiment le matériel là, c'est pété la gueule là, enfin il s'est pas pété la gueule, il s'est auto-détruit lui-même, c'est encore mieux, mais j'arrive pas à vous trouver des exemples tellement c'est improvisé encore une fois. Ah, les vidéos improvisées, je les aime toujours. À part ça, eh bien, je peux vous annoncer que il y aura peut-être un changement de logiciel montage vidéo, donc parce que chez Apple, d'ailleurs, tout devient de plus en plus pire chez Apple. Je veux dire, mon MacBook en 2014, avant il savait faire en temps soit mieux, en temps soit peu, oui. Faire du montage vidéo, certes pas professionnel, mais quand même on en est à un niveau plus sain. Et maintenant, chaque fois que je veux faire un truc, ça rame à mort, mais c'est un truc de malade quoi. Donc, ce que je vais faire, eh bien, peut-être, je vais changer de logiciel montage et je vais passer du côté obscur de la force en allant chez Adobe. Chez Adobe, oui, parce que maintenant tout le monde, plus en plus de gens font des trucs chez Adobe et ça c'est cool peut-être. Pour moi, malgré le fait que je dois tout reprendre en fait, comme ce qui s'est passé en 2016 avec Kaden Live, pas de changement d'identité visuelle, on est toujours à Orbid de la marque qui fait des vidéos, c'est hyper génial quoi, qui est en parallèle avec Brandes, d'info, et tout le groupe ABCDEF, enfin bref, c'est un truc compliqué. Enfin bref, comprenez juste que vous êtes sur Orbid et ça c'est bien. Et j'ai envie de vous dire que je suis sur Peertube. Ça je sais pas pourquoi j'ai mis ça mais bon, je vous le dis quand même au cas où. Donc je suis sur Peertube, oui sur... Alors déjà qu'est-ce que c'est Peertube? Eh bien c'est une alternative à YouTube, open source, c'est tout, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Mais le problème c'est que... comment dire, il y a plein de limitations, donc du coup ça restreint beaucoup les possibilités de faire de la création audiovisuelle, donc ça c'est un problème, donc je suis quand même sur Peertube, mais bon, Peertube, excusez-moi, donc je vous dis ça quand même, mais bon, je suis pas présent vraiment tout le temps en fait. Et maintenant, passons au vif du sujet, ça veut dire les émissions, les nouvelles émissions. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, je peux vous dire que les vidéos ça tombe le vendredi normalement à une heure inconnue, parce que je n'ai pas trouver sur n'importe quel site, Vimeo, Peertube, etc. de vidéos, prévoir de mettre la vidéo à telle heure, donc, comme sur YouTube, donc c'est un peu embêtant. Alors ce que je peux déjà vous prévenir, eh bien c'est que, non, qui dit nouvelles émissions également, je sais pas pourquoi je le passe maintenant, mais bon, qui dit nouvelles émissions sur Peertube, c'est important, sur Peertube, dit également quota d'émissions à se respecter sur la politique, la société, l'économie, enfin bref, tous les trucs chiants quoi, parce que bon, non, c'est pour déconner. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une petite blague sur le fait que sur Peertube, il y a trop d'émissions sur la politique, etc. Donc, je peux vous dire déjà que ça commence le 14 septembre avec cette émission, les autres vidéos, et on aura 39... Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, ce que j'ai marqué, ce que j'ai compris maintenant, en fait, c'est pas pareil. Donc, ce que je peux vous dire, je pense... c'est qu'il y a 20 vidéos, qui sont prévues à toute, sur toute l'année, sur toute la saison, qui tombent toutes les 2 semaines, tous les... enfin, 2 vendredis par mois, en fait, en gros. Avec déjà, bien évidemment, les désinformations internetisées, on ne change pas une recette qui gagne, même si ça ne gagne pas, en fait, beaucoup, avec des émissions sur les news insolites, comme on les fait bien. Enfin, je sais même pas si je m'exprime pas en français. Ensuite, on a les cartoons ridicules. Alors oui, j'aimerais vous préciser que les cartoons ridicules, ça ne s'arrête pas. Mais, enfin, les cartoons ridicules, cette année-là, il n'y a pas d'émission de cartoons ridicules. Parce que, par manque de temps, etc. Voilà. Mais c'est en pause, juste. Ça veut dire que ça peut reprendre l'année prochaine, l'année d'après, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, etc. Ensuite, le papier. Une émission...
des vidéos sans nom aussi trois fois voilà, dans l'année. On a une nouvelle émission qui s'appelle Ma Voix dans, dans une vidéo, tout simplement. Ça, je sais même pas combien il y a d'émissions, mais bon, ça, on s'en fout, là, c'est les autres vidéos, voilà, c'est improvisé. Ensuite, on a la Bible du vidéaste, vous connaissez ça, une fois aussi, le best-of, une fois, avec toutes les années, le bêtisier, une fois aussi, avec toutes les rushs que j'ai faites. Ensuite, ces autres vidéos, une fois également, celles que vous êtes en train de voir. Donc voilà, en conclusion, pas trop de news en ces temps-ci, parce que voilà, c'est la crise, etc. D'ailleurs, j'ai l'impression même que sur Internet, c'est la crise maintenant. J'ai pas beaucoup sur Internet, là, à part pour voir 2-3 trucs, mais bon, c'était plus comme en 2015, en 2014, en 2013, c'était plus comme avant, en fait. Donc voilà, autant vous dire que je suis un peu déçu, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit au loto, là. Je crois. Donc, sur ce, comme je n'ai plus rien à vous dire, eh bien, je peux vous dire salut à tous, bonne rentrée à vous tous, même si vous ne faites pas de rentrée, c'est pas très grave. Et à la prochaine, dans 2 semaines, justement, pour une nouvelle, un nouveau court-métrage exceptionnel qui va révolutionner les yeux. Non, je déconne. Allez, salut à tous, à la prochaine.